Alors ma fille, tu as vu Denis? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Enfin, franchement, j'avoue, je l'aime bien. Ah, je me disais bien. Mais c'est compliqué, je vois un autre gars en ce moment. Franchement, c'est chaud. Moi, je dis, du moment que tu te protèges, mais tu te protèges. Vite fait. Comment Comment ça, ça, vite vite fait? fait? Tu sais que tu peux attraper ou transmettre le VIH? Si tu ne te protèges pas. Alors écoute-moi, ma fille. Je vais te rappeler deux, trois choses. Déjà, le VIH se transmet de trois façons. Lors d'échanges de sang ou de matériel ensanglanté. De la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. Par le lait maternel à l'allaitement. Et lors de rapports non protégés. Alors, pour se protéger du virus, c'est simple. Un bon moyen. La capote. Ou le préservatif féminin. Et tu peux utiliser un gel pour plus de confort, ça évite que le préservatif se déchire pendant le rapport. Pour les usages de drogue, les associations comme AIDS ou AGRR donnent du matériel pour réduire les risques. Et si jamais le préservatif se déchire? Et qu'il y a un risque de transmission du VIH? Tu traces, Sista. Tu files à l'hôpital. On te prescrira le traitement d'urgence TPE. Il doit débuter le plus tôt possible. Si possible, dans les 4 heures. Au-delà de 2 jours, il n'est plus efficace. Il doit ensuite être poursuivi pendant 4 semaines avec un suivi médical. Et si tu penses que tu as un grand risque d'être infecté, tu peux prendre un traitement préventif. En plus du préservatif, hein? Ça s'appelle la PrEP. Il protège efficacement. Grâce à ce traitement, on évite la contamination. De toute façon, si tu as le moindre doute, fais-toi dépister. Et si tu es contaminé, n'oublie pas que le VIH, ce n'est pas le sida. Aujourd'hui, avec le traitement ARV, les personnes infectées ne transmettent plus le VIH. Grâce à un traitement ARV efficace, les personnes infectées retrouvent leur santé et une vie normale. Et surtout, elles ne transmettent plus le virus. C'est vrai avec leur conjoint, c'est vrai en cas de grossesse et d'accouchement. C'est clair, ma fille? Oui, c'est clair. On te donne quelques adresses. On ne sait jamais, Sista. Pour recevoir un traitement d'urgence ou une PrEP, tu peux te rendre dans les services spécialisés des hôpitaux. À l'hôpital de jour adulte, à l'hôpital de Cayenne, au Cégide de l'hôpital de Saint-Laurent ou dans les centres de santé des communes de l'intérieur. Ok, merci les amis. Fais attention à toi, ma chérie. Je t'emmène quelque part, Sista. Voir le petit Denis, par exemple. Oui, 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 oui. Mais occupez-vous de vos affaires. Mais c'est mes affaires.